Depuis 3 jours, c'est un frère centrafricain qui nous a reçus pour la nourriture. Mais il est encombré. Nous sommes beaucoup dans la concession. Et puis les enfants aussi malades. On a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés. Mais voilà qu'aujourd'hui, les enfants ne fréquentent plus. Et puis, ils souffrent. Ils sont malades. Nous avons des problèmes de la santé, nourriture, surtout. La santé et la nourriture. En attendant, on ne sait pas quoi. On a des problèmes. En habillement aussi, les enfants, parce qu'on a tout laissé en Centrafrique. Qui ont abandonné leur bien, ils ont fui la guerre, ils sont venus chez nous. On les a accueillis, on les a orientés. Donc, on vit avec eux. Certains n'ont plus encore de moyens. Tout ce qu'ils avaient, ils ont abandonné et rentré ici. Donc, actuellement, ils n'ont même pas là où dormir même. Bon, il y a aussi des familles qui ont abandonné leurs femmes, d'autres les enfants, donc ils ont fui en désordre comme ça. Ils ont abandonné les uns les autres, ils sont arrivés ici au Cameroun. Là, l'enfant, là, il y a beaucoup de souffrance, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de comme ça. Il dit, je vais souffrir. Hein? Bon, l'enfant, là, tout là, tu es malade. Il n'y a pas de comprimé. Je vais souffrir. Il y a beaucoup de souffrance. Centrafricaine, il y a beaucoup de souffrance. Donc, comprimé, là, la bizarre. Nous avons des problèmes particuliers.
Parce que si moi, je n'ai pas aide pour manger, hein, et j'ai beaucoup de famille, et j'ai des enfants pour l'école, et le problème aussi de santé de mes enfants et moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes. Dans 6 mois-là, sans aide, et je n'ai pas de champ ici, je n'ai pas de famille ici, hein? Même cousin, si quelque chose me manque aujourd'hui, je peux aller ce cousin ou ses parents là-bas, il n'y a rien. C'est moi seul qui fais l'effort. Voilà.